Bonjour, je vous présente Amazon. Alors Amazon, vous avez des pions jaunes et des pions rouges qui vont fonctionner comme les pions des reines aux échecs, c'est-à-dire se déplacer d'autant de cases en diagonale ou orthogonalement. Alors les blancs commencent, les jaunes, pardon, parce que là j'ai pris jaune et rouge. Et hein, sinon vous prenez blanc et noir, peu importe. Mais comme aux échecs, c'est tout le temps les blancs qui commencent, et bien ici. Les blancs sont à la place des jaunes, enfin les jaunes sont à la place des blancs, donc ce sont les jaunes qui commencent. Donc je peux me déplacer ici et ensuite je mets une flèche. C'est-à-dire que je vais mettre un pion vert qui empêchera par exemple la reine d'aller dans cette direction. Le but du jeu, c'est... Alors, là, pour les blancs, premier mouvement, on ne met pas de flèche. Là, c'est la rouge qui va jouer. Donc elle peut très bien se mettre ici. Alors après, on met une flèche. Soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, 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 ici. Ou ici, 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 ici. Ici, 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 ici. C'est-à-dire dans une des cases de la direction de la reine. Donc ici, par exemple. La reine rouge pourrait très bien mettre une flèche ici, puisque le but c'est de faire en sorte que l'adversaire ne puisse plus bouger. Alors imaginons que jaune vienne ici par exemple, puisque c'est à jaune de jouer. Eh bien ensuite il peut mettre une flèche, donc il peut très bien mettre une flèche, hop, par exemple, ici, puisque c'est dans sa direction, ou ici. Ou ici, puisqu'il ne peut pas passer par-dessus. Donc hein, il a là, 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 ou là, ou là, 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 ou là. Voilà. Alors ensuite, c'est à rouge de jouer. Donc rouge décide de venir ici et de mettre une flèche ici. Jaune décide de venir ici et de mettre une flèche ici. Ce qui commence à enfermer, vous voyez, la reine rouge, qui se sauve et qui met une flèche. Ici, par exemple, jaune décide de se mettre ici et de mettre une flèche ici. Rouge décide de venir ici et de mettre une flèche ici. Jaune décide de venir ici. Et de mettre une flèche ici, vous voyez, ce qui enferme pour l'instant rouge. Rouge ne peut plus se sauver. Enfin bon, ici, mais vous voyez que c'est bloqué partout. Donc jaune a tout intérêt à rester là. Rouge décide de s'enfuir ici et de mettre une flèche ici. Jaune décide de fuir ici et de mettre une flèche ici. Rouge décide de fuir ici et de mettre une flèche ici. Ici, jaune décide de se mettre ici et de mettre une flèche ici. Rouge décide de se mettre ici et de mettre une flèche. Ici, jaune décide de venir ici. Non, pas de venir ici. De venir ici et de mettre une flèche ici. Alors, vous voyez que rouge, ça y est condamné. Alors, rouge pourra toujours bouger, par exemple, ici, mettre une flèche là, puisqu'il n'y a pas possibilité d'en mettre ailleurs ou ici, hein, ou se mettre ici et mettre une flèche là, mais bon. Là, ça lui, ici, et hop, et ça lui laissera encore une occasion de bouger, etc., etc., jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer une de ses Amazones. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.